bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire un test de pureté, on va voir si je suis pure. Moi je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait un set map. Et franchement, voilà. Et aussi je vous ai pas dit, j'avais tourné la vidéo mais il y a eu un petit problème. Genre j'avais un pote qui m'avait invité. Je pense qu'il peut se reconnaître, je pense. Bah il y a un pote qui m'a invité à mort, du coup il m'a même appelé sur mon téléphone et tout. Du coup ça a tout enlevé les rôles, du coup je dois tout commenter. Bienvenue dans le test de pureté. Étage 1, question variée. Étage 2, question sur l'amour et le sexe. Étage 3, question sur les addictions. Vous aurez accès à un score et un barème à la fin pour tester votre pureté. Ok, c'est bon. Accès niveau 1. On va bien s'amuser. Bon, du coup, avec mon problème de motivation et tout, je peux faire que des vidéos seules et pas des vidéos tryhard, que des vidéos comme ça parce que c'est chiant. Voilà, que des vidéos comme ça. Et je peux pas faire une vidéo avec quelqu'un vu que du coup, je dois pas mettre mon casque pour augmenter le son du jeu. Vous êtes-vous déjà moqué de quelqu'un d'handicapé physiquement? Bah, est-ce que vous avez déjà fait une sim par rire? Ouais. Ah non, je suis un bâtard, est-ce que je vous le dis? Moi j'ai honte de moi, c'est bon. En gros, il y avait déjà quelqu'un qui avait siège roulant. Et j'avais dit à un pote, et t'es capable de lui dire alors ça roule. Moi j'ai honte de moi, c'est bon. Alors qu'il est méchant. Vas-y, je suis un gros connard. Bon. Moi c'est bon, j'étais petit, j'étais en 6ème, je suis en 4ème, je suis toujours petit. Alors, j'ai déjà bagarré. Ouais. J'ai rarement gagné d'ailleurs. Avez-vous déjà volé dans un magasin? Oui. J'ai déjà volé, genre il y avait un paquet de bonbons et il y avait deux bonbons qui sortaient, du coup je les ai pris. Non, pas de blague raciste avec mes origines s'il vous plaît. Vous êtes-vous déjà réveillé sans aucun souvenir de la veille? Non. Êtes-vous plutôt quelqu'un en mot ordonné à mort? Avez-vous déjà utilisé votre lavabo au lieu des toilettes? Oui. J'avais essayé quand j'étais petit. Avez-vous déjà mangé des aliments périmés longs? Bah périmés ouais, mais une semaine max, tu vois. En fait, j'aime pas, je déteste ça du coup, on va dire. Avez-vous déjà mangé? Non, c'est dégueulasse. Êtes-vous déjà resté plus d'une semaine sans vous laver les dents? Non, jamais. En plus, je m'en veux hein, quand je me lave pas les dents. Bah alors, je me lave les dents tous les soirs. Hein. Ouais, je me lave pas les dents le matin. Ouais, je suis en gros dégueulasse. Et vous déjà lâché? Ouais. Un peu clairement, ouais. Alors je fais un pote. Attends, j'entends un bruit. Et là je tape. Ouais, je suis un connard. Avez-vous déjà été en garde à vue? Non, je me fais rarement de bêtises. Êtes-vous déjà resté plus d'une semaine sans vous laver le corps? Oui, pendant les vacances de 15 jours, j'avais un peu la flemme. Mais pendant une semaine, je me suis pas lavé. Ouais, je suis en gros dégueulasse. Alors, vous déjà poser un lapin en rendez-vous amoureux? Alors, déjà pour poser un lapin en rendez-vous amoureux, faut-il déjà avoir eu un rendez-vous amoureux? Non, relations sexuelles après bisous sur la bouche, c'est pas des relations sexuelles du coup, non. Petit bisou boubou. Si oui, vous avez déjà eu une relation avec plus d'une personne? Non. Avez-vous déjà pris une douche main avec une personne sexualisée? Non. Même pas avec ma mère quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, j'étais un bébé? Non. Non. Avez-vous déjà subi ou fait une fellation? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Ah, je sais pas. Mais en vrai, vous voyez, en primaire, j'étais en couple. Couple, c'est un grand mot, voilà. Et en fait, j'aimais quelqu'un d'autre en même temps, mais je le montrais pas. Du coup, on va dire oui. Oh, je suis pire du bâtard. Et avec combien de personnes différentes avez-vous déjà eu une relation sexuelle? À 0, à 2, 0. Avez-vous déjà une relation avec une personne? Avez-vous eu un rapport avec une personne? Non, je ne suis pas homo. Non, jamais, j'ai jamais regardé de vidéo pornographique de ma vie. D'ailleurs, vous pouvez me dire, vous pouvez m'envoyer un lien. Non, je rigole. Avez-vous déjà pensé ou eu un rapport sexuel avec un membre de votre famille? Ok, non. Et du coup, vous voyez le problème avec le boîtier, quand j'ai pas de boîtier d'action, c'est que je peux pas montrer ma tête, là, je peux montrer que l'écran en plus. Avez-vous déjà une relation avec une personne déjà en couple? Avez-vous un animal de compagnie? Ouais, il s'appelle Yoshi. Et ça pue, voilà. Ça sent pas bon. Et oui, j'ai déjà goûté un fond de cygne. Ça, c'est bon, par contre. Il y a presque pas d'alcool, mais j'en bois jamais. Bah, une des ballons, du coup. Ça, ça va être bon, ça va plus être drôle. Partout. Ça, ça compte. En gros, j'ai. Vous voyez le beer pong. C'est quand on fait. C'est quand on. Genre, une balle rebondissante pour l'adversaire. Si tu mets dans son verre, t'as le droit de boire son. Il doit boire son verre. Mais moi, j'ai fait ça, mais du coca pour moi. Genre, j'ai remplacé par une bière pour le coca, du coup, je peux jouer à boire. Déjà vomi sur quelqu'un à cause de l'alcool? Non. Le buvez-vous? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou vernis à cause de l'alcool? Non. Avez-vous déjà
À part le sucre. Avez-vous déjà acheté ou vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un qui était ivre pour droguer? Non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? Eh ben non. Barème finale, est-ce que vous êtes quelqu'un de pur? Alors, 0 à 2 points. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez triché ou menti, soit vous êtes un roux. Ouais, moi je suis pas là. 3 à 6. Restez comme vous êtes, c'est parfait. Mais pensez à vous amuser, vous évader. On n'a qu'une seule vie. Ouais, j'avoue. Moi je suis là entre là. Je suis là. Vous êtes totalement normal. Oh, il vous arrive d'avoir des hauts. D'avoir des hauts et des bas, mais ça n'est rien de mal, fils. Ouais, wouh! Attends, 14 à 19. Les gens ne devraient pas prendre des temps sur vous. Préférez la maison au plaisir que la douleur. Un peu trop tardé, faites attention. 20 à 32 points. Ignore que vous êtes, attention au karma qui vont frapper un instant à l'autre, d'un instant à l'autre. De 33 à plus. Alors on va discuter un peu. Des hommes ont besoin de venir vous chercher. Vous verrez, ils sont très gentils. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, on se retrouve peut-être sur une nouvelle vidéo pour Fortnite. Mais là, c'est pas des vraies vidéos, c'est peut-être des vidéos en attendant que je trouve une solution pour le boîtier d'agression. Bon, allez, bon, bah, moi je vous dis au revoir et. À la prochaine. Voler n'est pas bon.